Bonjour madame, comment allez-vous? Parfait, écoutez, je suis heureuse. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Oui, moi aussi. On a ouvert eh bien, il y a à peine une semaine. Oui. Alors, je vous fais quoi aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, oui, c'est vrai que vous avez des cheveux assez fins, très peu de volume. Et vous voudriez avoir un peu plus de volume. D'accord. Alors moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de faire un peu, comment dirais-je, pour qu'il soit un peu plus épais, pour qu'il paraisse un peu plus épais, pour leur donner un peu plus de volume. Je vous conseillerais eh bien, de faire quelques boucles. Oui, voilà, de vous poser quelques bigoudis. Oui, parce qu'ils sont très 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 fins. Vous avez fait un shampoing juste avant de venir. D'accord. Et donc de vous poser quelques bigoudis, de faire de jolies boucles. Hein. Puis ensuite de sculpter les boucles, hein, de les travailler. Puis de faire un effet bouclé, mais naturel. Ondulé si vous préférez. Non, 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 pas frisé, ne vous inquiétez pas. Donc ça va vous donner un effet un petit peu coiffé, décoiffé. Mais pour cela, il faut que je vous mette des bigoudis. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. D'accord. Donc vous les avez lavés, vous avez fait un shampoing. D'accord. Donc il est inutile d'en faire un. Par contre, pour la pose des bigoudis, je vais vous les humidifier. D'accord. Avant, je vais vous les brosser pour bien les démêler. Alors... Mon assistante vous a équipé une petite blouse. Je vais donc prendre cette petite brosse. Et je vais vous démêler, hein, d'accord? Oui, un peu moins, plus au cœur. Vous êtes bien installé? Hein, si vous souhaitez. Donc vous distraire un peu. Voilà. Ils sont pas très très emmêlés, hein. Emmêlés, pardon. Notre brosse comme celle-ci. Et je vais commencer par le bas, toujours commencer par le bas et monter progressivement pour enlever les nœuds, d'accord? Donc, vous avez l'habitude, hein? Violette que je vous avais faite la dernière fois. Bien tenu, hein. Ouais, ça fait joli, c'est vrai. Vous aviez hésité, mais enfin, quand même. Ça va très très bien. Je n'en avais pas fait beaucoup. C'est vrai que c'est très 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 joli.
je tire trop, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'essaie de ne pas trop vous faire mal quand même. Les bigoudis. Ça devrait aller. Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Hein? Oui, merci. Oui, celui-là, merci. On a beaucoup de monde aujourd'hui, tout à fait. C'est la rentrée. Hein? Je vous regarde comme ça alors que je vais vous regarder dans le miroir. C'est une habitude. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je vais les humidifier. Ce sera plus facile pour... Et puis ça prendra mieux. Mettre une petite serviette comme ceci, d'accord, juste derrière, pour même si vous avez un tablier, une petite blouse pour éviter de la tremper. Alors, je vais soulever un peu vos cheveux. Voilà, ne touchez pas. Voilà, parfait. Vous êtes bien protégé. Alors,
je vais aller vous humidifier vos cheveux avec cette petite eau. Alors, nous utilisons de l'eau minérale lorsque nous humidifions les cheveux. Voilà, tout à fait. Je vais les humidifier légèrement, hein, parce que je vous mettrai également un tout petit peu de lac. Voilà, juste un tout petit peu, puisqu'après je vais sculpter vos boucles avec de la mousse coiffante. Voilà, donc c'est pas la peine d'en mettre de trop. Exactement. À quel niveau vos boucles? Oui, un peu partout. Ensuite, je travaillerai avec les mains. Voilà, puis pour pas que ce soit bouclé, je les casserai, je les sculpterai entre mes doigts. D'accord. C'est parfait. Elles sont bien poussées depuis la dernière fois. Ouais. Vous perdez un peu de cheveux, mais c'est normal. Oui, vous êtes allé au bord de la mer. Oui, c'est vrai que l'eau de mer, l'eau salée, c'est pas très très bon pour les cheveux. Ouais. Mais vous allez reprendre votre routine. Oui. Oui, vous pouvez faire des masques, mettre un peu d'huile, un peu de crème hydratante sur vos cheveux, tout ça. Ça va leur faire du bien. Ouais. Alors, c'est parti. Alors, je vais mettre des petits bigoudis comme ceci, vous voyez. Avec des petites épingles pour les faire tenir. Donc, je pense que j'en ai largement trop, hein, donc... Non, vous inquiétez pas, ça va pas vous faire de grosses boucles. De petites épingles comme ceci. Oui. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des épingles un petit peu à l'inverse pour éviter de... Quelques-unes, je ne sais pas non plus. Voilà, je vais mettre... Ça suffira. Alors, on peigne. Donc, je vais vous servir petit peigne pour séparer vos mèches. Avant tout, j'avais... Où est-ce que j'ai mis mon peigne en bambou? Voilà. Voilà.
m'assurer qu'ils sont bien démêlés. Alors, je vais commencer par les côtés. Je prends un peu plus sur le côté quand même. Voilà, comme ceci. Je vais vous faire des mèches pas trop épaisses. Hein. D'accord. Quand ce sont des gros bigoudis. Voilà, je vais quand même en rajouter un peu. Voilà. Petit bigoudi. Pour le premier. Ensuite, ouais, non, je vous en mets pas devant, je vous mets sur les côtés, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je regarde combien j'en ai. Je commençais par le haut, hein, d'accord. Ça vous sert pas trop, ça vous tire pas trop, non? C'est parfait. Allez, je prends 3 par 3. Sera suffisant. Mmh.
Voilà. Alors, un petit peu sur le côté. J'ai mis mon panier. Comment vous sentez? Ça va? Parfait alors. Vous vous endormez. Ben, tant mieux alors. Ça veut dire que je ne vous fais pas souffrir. Alors, je vais en mettre un peu derrière également. Oui, vous allez voir, ça va faire un effet. Un effet coiffé, décoiffé, comme je vous ai dit. Hein. Ça sera pas un clé frisé, hein, t'inquiète. Non, non, non. Oui, ils sont dégradés aux cheveux. Je vois qu'il y a des endroits, ils sont beaucoup plus courts. Hein. C'est très joli. Oui, c'était pas moi qui vous avez fait votre dégradé, c'était ma collègue. Moi, j'avais fait votre coloration. Au mèche, on va dire plutôt. Alors, je vais vous mettre également là. Excusez-moi, je vous tire un peu là. Je vais rajouter quelques mèches. Oui. J'ai pas pris une barrette.
protéger ma stick. Alors, hop. Parfait. Voilà. Alors, on va en mettre un peu derrière quand même. Est-ce que j'ai assez d'arêtes? Oui, oui. Bon, j'ai le plaisir à se servir des bigoudis. Bien souvent, on oublie de ramener les barrettes, mes collègues. Non, 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 je dis pas du mal de toi. Non, non, non. Elles entendent tout. Non, nous avons été fermés que 15 jours. Hein. Nous sommes partis là, en vacances, chacune à notre tour. Voilà. Moi, ça fait un peu trop long. Ouais. Pour notre clientèle fidèle qui a l'habitude de venir. Quoi. Presque une fois par semaine, pour une petite retouche. Ouais. Ça fait un petit neuf. Non, vous inquiétez pas, on va l'enlever. Voilà, c'est fait. Alors, un peu partout, hein. C'est plutôt bien. Alors, la petite barrette. J'ai plus de violette, mais écoute, on va mettre des noirs. Alors. Voilà. Ouh là là, attention. Oui, la reprise est un peu dure, je vous avoue. Alors, sur les côtés, vous en avez pas mal. Hein. Il n'en reste plus que deux. On va les mettre derrière, puis ensuite, je travaillerai tout ça avec les doigts. Oui, vous allez voir, vous allez avoir quelques boucles par-ci, par-là, mais pas tout. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Alors, ensuite, je vais vous mettre un peu de lac. Voilà. Et le dernier, on va le mettre là. Ce sera parfait. Je vais vous les laisser poser pendant quelques temps, quelques secondes, hein, parce que je vais vous mettre une raque assez forte qui va accélérer le temps de pose. Exactement, oui. Donc, le fait de vous avoir humidifié les cheveux,
la laque que je vais vous appliquer. Le ton de peau sera beaucoup moins court, sera réduit, on va dire. Toujours des petits nœuds, hein. Voilà, bah écoutez, comment allez-vous? Ça va? Je vais vous appliquer une petite pulvérisée, une petite laque comme ceci. Hein. Donc c'est une laque coiffante, fixation extrêmement forte, extra forte. Elle est à la vitamine, hein, d'accord? Alors je ne vais pas vous en mettre trop, puisque je vais également vous... Pour sculpter vos boucles, hein, je vais donc me servir de cette mousse coiffante. Voyez, spéciale pour les boucles et anti-frisottis. Voilà. Ça sculpte les boucles, mais ça ne colle pas. Voyez. D'accord. Alors, la raison qu'elle ne tombe pas. Alors, il faut bien la remuer, hein, la laque. Alors, je vous en mettrai peu. Faites attention à vos yeux, je vais mettre ma main peut-être devant. Voilà. Voilà, je vous en mets surtout. Bien, j'ai dit un petit peu, mais quand même, hein. Voilà. Quand on commence, on s'arrête plus, mais c'est ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Alors, comment vous vous sentez? Ça va? Alors, vous avez des magazines? Oui. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un café? Un jus de fruits? Du thé? Grignoter quelque chose? Non, vous avez fait tout ça avant de partir. Vous n'avez pas encore digéré? Écoutez, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, vous nous faites signe. On est là, on est un peu partout. Je vais mettre le minuteur. D'accord? Et puis, je vous dis eh bien tout de suite, hein, c'est moi qui m'occuperai... qui continue à m'occuper de vous, hein, c'est normal, hein, d'accord? Bien, bonne lecture, si vous avez soif, surtout quand vous nous faites signe, n'hésitez pas. Je vous dis à tout à l'heure, enfin tout de suite, dans quelques minutes, on va dire. Oui, je pense que 15 minutes, ça devrait le faire. Hein. 15-20, je verrai si jamais je regarderai, s'il faut laisser un peu plus, je relaisserai un peu plus, d'accord? Parfait. Vous avez assez de magazines, vous voulez que je vous en rapporte? Non, ça ira. À tout à l'heure. Alors. Voilà. La minuterie est en marche. Je vous reviens dès que ça sonne. Je vous en prie. Alors, je vais commencer par là, le temps c'était...
c'est des boucles, mais ensuite ça va être ondulé, on va dire. Hop, alors voilà. C'est pas toujours facile à dérouler. Continue. Ouais, très bien.
Appliquer
si nécessaire, d'accord. C'est pas rien, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas du tout coloré. Ouais, je bougerai tout à l'heure. Voyez. Je vais trouver un peu la face de la main. Ceci. Je vais vous l'appliquer. Okay.
Oui, je voyais que commencer à fermer les yeux. Je me suis dit, je vais chuchoter. La force de vous secouer. Oui, c'est souvent le cas lorsqu'on est chez le coiffeur. On a tendance à s'endormir. Tu as des petites boucles, voyez. Voilà, on va la mettre comme ceci. Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal du tout. Vous avez énormément de volume. Il n'y a pas de souci. Pas trop non plus. Très très joli. En plus avec vos mèches violettes, là, ça fait un style très 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 joli. Hein. Oui, demain matin, vous aurez juste à... vous avez de la mousse? Non, sinon on en vend, hein, si vous en prenez. Et juste à travailler un petit peu vos boucles comme ça. Voilà. Non, servez-vous pas de la brosse. Hein. Vous peignez avec vos mains. Hein. Ça évitera de tout enlever. Et puis ça fera un côté beaucoup, beaucoup plus naturel qu'avec la brosse. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes content du résultat? Bah, écoutez, le principal, c'est que vous soyez heureuse du résultat. Hein. Vous voyez, vous qui vouliez du volume, eh bien vous en avez. Oui, vous pouvez le faire aussi chez vous, avec un boucleur ou même des bigoudis. Oui, c'est vrai que c'est le coiffeur qui a fait, c'est souvent plus joli. Puis c'est aussi le fait quand même se faire chouchouter. Voilà. Je cherchais le nom. Alors, je vais faire un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je regarde également dans le miroir. Voilà. Bien, c'est moi qui vous remercie. Non, pas besoin de rajouter de la laque. Là, croyez-moi, c'est un produit qui est très 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 efficace. Ah oui. Oui, nous en avons, oui, bien entendu. D'accord. Ben, il suffit de le dire à l'accueil au moment du règlement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est anti-frisotti. Ça vous va bien en plus, hein. Ouais. Donc c'est à la vitamine BP et au provitamine B5. Bon, donc vous voyez, hein, n'ayez pas peur de l'utiliser, ça n'abîmera pas vos cheveux. Non, non, non. Dans notre salon, nous n'avons que de bons produits. Hein. Oui. Dégradé puisque ça repousse, hein. Oui, ça vous va bien les dégrader, oui, oui, bien entendu, il n'y a pas de souci pour vos mèches. Oui, pour l'instant ça va. Oui, on pourra refaire si lorsqu'elles se seront atténuées, hein, bien entendu. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, une de mes collègues, on est toutes sympathiques, hein, dans notre salon, hein. Oui, oui. Bah, c'est gentil, hein. Faisons aussi les coiffures pour enfants, pour hommes. D'accord, mais écoutez, quand vous voulez, il suffit de prendre rendez-vous. Hein. En ce moment, on a pas mal de monde, comme je vous ai dit, puisqu'nous sommes à la rentrée. Pas mal d'enfants qui viennent pour se faire couper les cheveux. Hein. Enfin, les parents surtout, parce que quelquefois, les enfants ne sont pas très très contents. Hein. Souvent, ils demandent des coiffures à la brosse. Alors ça, à une époque, ça a eu, mais maintenant, je pense que ça ne passe plus. On est obligé de faire comme les parents nous disent. Alors, quelquefois, on a l'impression que l'enfant nous en veut. C'est nous les responsables. Oui, c'est vrai.
quand vous voulez, bien entendu. Ah, ce ne sera pas la brosse. Ah, ah oui, d'accord, oui. Rasé sur les côtés, oui, je vois, oui. Ouais, bah écoutez. On va traumatiser ces petites têtes blondes, hein, ces petites têtes blondes. Et au moins, il ne m'en voudra pas. Oui, en espérant aussi. Hein. Voilà, bah, je vous laisse récupérer vos affaires. Et puis, vous allez à l'accueil avec ma collègue. Hein. N'oubliez pas de demander votre mousse. Voilà, bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie.